Nelia est développeur photovoltaïque depuis 2008. Dans un contexte marché tendu, Inelia a su faire évoluer son offre vers l'autoconsommation dès 2013. À mi-2016, Inelia est un des plus gros développeurs de centrales en autoconsommation avec 1,5 MW crête en service. Ce succès est notamment le fruit d'une riche collaboration avec Stratégie ENR et les centres Leclerc. Depuis plus de 20 ans, le groupe Leclerc initie des actions innovantes pour promouvoir le développement durable. Avec ses projets d'ombrière, le groupe Leclerc avait la volonté d'améliorer le confort client et de maîtriser le budget électricité. Nous avons travaillé avec Inelia les modes d'intégration. Nous avons ainsi pu développer ce système d'ombrière innovante alliant efficacité et rentabilité. La véritable innovation a été de développer ces projets en autoconsommation sur des puissances installées de plusieurs centaines de kilowatts. Le principe de l'autoconsommation est simple. La production d'électricité produite par les panneaux solaires est injectée dans le magasin afin d'alimenter en direct l'éclairage, les groupes froids et tous les équipements consommateurs d'électricité. Nous développons des projets solaires depuis 2008. Depuis le début, nos clients ont manifesté le besoin d'être autonomes. Naturellement, avec le cluster Sisolia, nous nous sommes retournés vers la région Aquitaine pour développer un cadre à l'autoconsommation. Une centrale en autoconsommation se conçoit à partir des besoins de clients. Sur ces trois projets Leclerc, la centrale permet de réaliser 15% d'économie sur la facture d'électricité. Le vrai avantage est la maîtrise des coûts énergétiques sur la durée de vie de la centrale. Nous avons pu nous appuyer sur le savoir-faire de nos partenaires SolarWorld, SMA, KDI, qui nous ont permis de délivrer des produits fiables. Elle nous a aussi permis de réaliser ces chantiers en moins de 3 mois sans perturber l'exploitation des sites clients. Je souhaite qu'Inelia continue d'accélérer la transition énergétique de nos clients et que nous intégrions la mobilité électrique dans nos réflexions.